Kar Shwadam. Gwarbati Ul Hudamnash, Mayuanga Pashka. Nursh Takar Vija Wajam Nawa. Nu Takar Supima Baya Mati Dao. Eh bien bonjour à tous, c'est Isaac et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Far Cry Primal et ça m'a fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est reparti dans le nord puisqu'on va faire une petite mission pour Da, puisque ça faisait un petit moment que je voulais la faire cette mission. Donc marquez le guérisseur Udam qui prépare la poudre d'os dont Da a besoin. Donc camp de la mer des pierres, d'accord. Donc c'est en bas, hop, voilà, déjà il y a un mec ici. Je pense qu'on va y aller avec, avec l'aigle, histoire de bien repérer tout ça. Alors, où est-ce qu'ils sont les Askar? Voilà. Donc je dois aller... Oula, il y a du monde, il y a du monde. Ouais, pas mal de monde. Je vais peut-être me le faire lui. Comme ça, celui-ci va pas nous embêter. Par contre, il y a un Lascar là. Oula! Donc, filer le guérisseur Udam pour trouver la poudre d'os. C'est peut-être pas le bon plan là. Par contre, il va le buter, lui. J'ai peur de me faire repérer, là. Je vais me faire dépouiller. Alors, attendez, je vais essayer de passer là-bas. On va essayer de passer au-dessus. Allez, vite, vite, vite. Il y a du monde, hein. Il y a vraiment du monde. Ça va être très chaud, je pense, cette mission. Alors, je pense qu'il faut que je passe par la gauche. Enfin, par la droite. Par contre, mon animal, je crois qu'il s'est fait repérer. Il est où, mon animal? Je crois qu'il est en train de... Il s'est bloqué, je crois. Oula. C'est un petit peu chaud, hein. Un peu plus et je me faisais repérer. On va se faire peut-être le mec là. Non, il est descendu. Par contre, il est rentré dans la grotte, guérisseur. Attendez. On va s'éloigner légèrement. On va rebasculer avec l'aigle. On va se faire celui-là. Il est où le Lascar là? Je pense que le mieux ça va être d'aller démonter tout le monde et d'y aller, hein. On va se faire. Voilà. Et qu'il allait tomber. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu fais? Remonte. Non, mais oh. Je vais peut-être passer là. Oh, tous les Lascars qu'il y a. Allez, hop. Voilà, nickel. Par contre, mon animal, clairement... Voilà. On lui dit de se barrer. Parce que je sens qu'il va faire des conneries.
Alors si je bute... Le problème c'est qu'il y a les... Si je bute lui, ces deux potes qui sont là-bas, ils vont venir. Donc là-bas il y a un mec. Mais là il y a trop de mecs. En fait là je suis bloqué de chez bloqué. Apparemment il serait par là. Je pense que c'est le mec qui est juste là. Je pense que je vais envoyer encore l'aigle. Voilà. On va faire un peu de ménage, je pense. Ça peut être bien de balancer. Voilà, j'ai envoyé une. Oula. Mon aigle. J'ai envoyé un essaim. Ok. Ils sont un petit peu alertés. On va aller se faire peut-être celui d'entrée là. Voilà. Alors attention parce que là, regardez. Ils sont un petit peu énervés apparemment. Voilà, j'envoie... Ça va faire pas mal de kills. Merde. Oh putain, alors là c'est... Ça va être un bordel. Bon, tout ça arrivé, je vais me faire démonter. Voilà, toi t'es mort. Tiens. Oh, il se fait démonter le pauvre. Au moins il s'est fait dépouiller. Alors j'espère que les abeilles elles vont pas venir jusque moi. Ok. Il y en a un autre qui est quelque part là-bas mais je le vois pas. Il est où le mec? Alors j'arrive pas à le trouver hein. Je pense qu'on va y aller tout doucement. Il y en a un qui se cache là-bas. Je vais peut-être m'occuper des derniers parce que... Voilà. Alors... C'est quoi en fait ça? Peut-être ça. Ok, nickel. On fait ça et échappez-vous du camp Edan. Bon, on va y aller. Merde. Voilà, on va juste récupérer les sagets parce que c'est quand même assez précieux. Voilà. Bon, lui en fait il est pas méchant. On va pas le buter. On va sortir d'ici. Oula. Waouh. En fait ça démonte bien ce truc. Regardez ma vie comment... Waouh. Elle a baissé, mais d'un coup. Hein. Donc là, je me régène vite. Parce qu'on sait jamais. Voilà. La poudre de rose terminée. Donc ça fait plaisir. Et je pense qu'on va aller se faire une petite mission. Peut-être retourner voir Da. Ça peut être pas mal. Alors, on va retourner voir au niveau de la carte.
Ah oui, au niveau de la carte, donc regardez, j'ai commencé à bien avancer encore. Il ne me reste plus grand-chose, hein. Je pense que les terres d'Isilia, ça va être pour bientôt, et le fort du Hurleur de Feu. J'ai même été un petit peu sur la gauche, alors j'ai pas tout exploré parce qu'il me reste quelques petites missions à droite et à gauche. Mais là, j'arrive vraiment sur la fin. Alors après, il me reste pareil des petites missions secondaires, aider les Wanja, pareil un sauvetage, mise à mort. Donc là, il me reste quelques missions par-ci par-là. Mais voilà, je suis vraiment proche de la fin. Par contre, mine de rien, les petites missions secondaires, parce que c'est vrai que j'approche de la fin au niveau de la mission principale, mais sur la mission secondaire, je suis quand même. Je pense qu'il me reste pas mal de choses à faire parce que je suis qu'à 50%. Donc je pense qu'il y a encore pas mal de travail. Mais ça, de toute façon, je vous ferai pas de vidéo sur tout ce qui est secondaire. Je préfère vraiment me concentrer sur tout ce qui est principal. Et une fois que bah, la mission principale sera terminée, j'arrêterai la série. C'est pas la peine de faire durer plus longtemps. Déjà, je mets un petit peu de temps à faire mes séries. Alors, donc là, je dois aller au point là-bas. Et au point là-bas. Donc là-bas, c'est Da. On va lui ramener ça. Il va être content. Il faut qu'il arrête de se taper la tête, hein. Ouais. Ça va me dire une autre mission ou pas? Ça me signale rien pour le moment. Apparemment, non, j'ai terminé. Bon, eh bien on va voir. J'ai un autre point. Tu vas te pousser toi. Alors j'ai un autre point ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une petite mission pour la chasse. Elle se barre? One mass, some. Mam chlauta mama v padi, she tauga. Tawinja daus, aska wandar. Misa shwalim supima. Shwadar hashwasa. Bon bah salut. Ah, ça m'a... D'accord, donc là il faut que je vois avec le chaman. Apparemment il y a une petite mission aussi. Il y a tout qui se déclenche là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'on va me dire? Ah non, même pas, c'est pas le chaman. C'est Urki. Urki Chamana, Dam Shadaha, Manta Quabrashtar, Urki Winja Quayauga, Samapai Chadafmas, huh? Buddha Kuala! Ok. Alors là, regardez, je viens de voir ça. Ça, c'était depuis le début et j'ai même pas ramassé. Voilà. La petite main d'Aïcha. Bon, ça par contre, regardez, bah, ça c'est un petit peu une quête secondaire et j'en ai que 20 sur 100, donc j'ai encore du travail à faire. Hein. Alors donc là, j'ai tout fini et j'ai pas de mission ici. Non. Non, aucune mission. Donc en fait, il faut vraiment que je m'aventure là-bas. Eh bien, pour pas faire une vidéo trop courte, je pense qu'on va y aller tout de suite. On va aller se taper le fort des Isilas. Et ça va être tendu. Je pense qu'il va peut-être être même plus tendu que le fort qui était au-dessus. Le fort des Udam. Alors, on va juste signaler. Voilà, ici. C'est par là-bas, d'accord. Alors, j'espère juste que ça va pas durer. Parce que là, je me dis, sur la précédente fois, enfin, quand j'avais fait le premier fort, eh bien, ça avait duré 10-15 minutes. Donc, c'était pas très très long.
Et si ça se trouve, là, ça va durer peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, alors j'espère pas. Voilà, nickel. Je vais vous massager. Voilà. Nickel. Je pense que je vais rebasculer, voilà. On se fait un petit peu d'armes. Et je vais peut-être même appeler mon loup. Ah, il y a quelque chose à prendre là apparemment. Il y a un objet à prendre quelque part ici. Putain, j'ai visé au-dessus. Ça va, tu t'es bien combattu. Enfin, t'as bien combattu. J'avais peur pour lui, hein. Il a pris cher, je crois. Hein. Bon, il est où le masque, là, ou je sais pas quoi, là. Il y a du monde partout, ici. Ah, d'accord, c'est une petite grotte. Bah, c'est où? C'est ça? Voilà, Maskizilla. C'est bien parfait. 4 sur 25. L'aigle, il va me foncer dessus un moment. Je vais rien comprendre. Bon, on va continuer notre quête. Parce que si je m'arrête partout, là. Putain, un ours encore. Laisse-moi tranquille, l'ours. Bon, par contre, mon loup, il s'est arrêté, hein. On va couper ça. Ça va faire un peu de munitions après. Donc là, il y a de la fumée. Je sais pas si c'est là le fort. Mais je pense qu'il se passe quelque chose. Oh putain. Ça tombe pas bon. Enfin, c'est pas bon du tout parce qu'hasard commence à faire nuit. Je pense que si c'est là-bas. Hein. Alors attendez. Quoique ça peut être une bonne chose d'attaquer de nuit. Alors faites voir. Non, je pensais que c'était quelqu'un. Je vois bouger mais je peux pas cibler. Ça a l'air pas mal hein. On va passer avec l'aigle. On va essayer de faire un petit peu de repérage. Où est-ce qu'ils sont? Je vois personne. Ah là. Voilà, je commence à en cibler quelques-uns. Ok, parfait. Il y a du monde, hein. Ok, nickel. On va peut-être se faire un mec avant de partir. Tiens, lui. Comme ça, ça évitera qu'il donne l'alerte. Alors, je sais pas si j'y vais avec le loup. Parce que ça peut être chaud. Ah, le voilà. Nickel. C'est ça que je cherchais aussi. Alors, donc là, il n'y a personne. Mais je suis sûr qu'il y a des mecs en hauteur qui vont m'embêter. Allez, on va descendre. On va essayer d'y aller parce que c'est pas en restant là que ça va avancer. Fort du hurleur de feu. Comment je stresse ça. De toute façon, je sais que je vais déclencher l'alarme. Je sais que je vais me faire dépouiller. Alors, donc là on est tranquille.
C'est bizarre en fait que sur l'entrée il y a très peu de monde. D'accord, c'est des prisonniers. Ouais. On va s'en aller. Hop, alors. Faudrait que je fasse les kills assez rapidement sur les deux là. Donc là il y en a deux ici. Là je vois personne. Le problème c'est que il y en a forcément un qui va donner l'alerte. Hein. Allez. C'était chaud. Hein. Celui-là, il peut être dérangeant. Heureusement que tout à l'heure, au final, j'ai bien fait de buter le mec qui était là. Donc ça, c'est fait. Donc là, par contre, on arrive au niveau du fort. Oula. Mais là, il y a du monde. Ah, je peux pas faire de bombe piquant, j'aurais bien balancé ça. On va les buter. Voilà, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. On va le nourrir parce que j'avais vu ça tout à l'heure. Donc là on est bien. On est à l'entrée du fort, mais il n'y a pas eu à affronter beaucoup de monde. Calme-toi. Non, calme-toi. Il va donner l'alerte. Tiens, lui on va peut-être se le faire. Pourquoi je peux pas? C'est bizarre, je pouvais pas me le faire. Alors juste, je vais regarder au niveau des extrémités. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Lui, je pense que c'est le chef. Vu que je peux pas me le faire, je suis sûr que c'est ça. Et lui, le problème, c'est si je lui saute dessus, il y a son pote juste à côté qui va donner l'alerte. Donc bon, là, je pense que j'ai pas le choix. Enfin, j'aimerais bien que mon loup, il se casse, ça. Oh, oh, tu peux te barrer? Putain, il me gêne vraiment. Ok. Je vais essayer de passer peut-être sur le côté. Ça peut être pas mal. Ah, je peux pas. Donc du coup, là, je suis forcé. Ah, il y a le jour qui s'élève. Là, les deux prisonniers, je vais pas me les... Ouais, aussi, quoique, je peux les libérer maintenant. Comment je fais pour défoncer ça? Faites pas trop de bruit non plus. Alors. Bon, faut y aller. Faut y aller. Oula, oula, oula. Voilà.
J'ai eu chaud, hein. Donc ça, j'ai cassé, mais le problème, c'est qu'il va donner l'alerte. Ah, j'arrive pas à l'avoir. Reviens. Tu vas où? Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ils ont donné l'alerte par contre. Ça j'en étais sûr. Bon. On va aller se faire celui au-dessus. Allez, allez, allez. Putain, je vois des trucs qui sont envoyés là. Mais meurs. Ah mais c'est pour ça, c'est le chef lui en fait. Mais ça lui fait rien depuis tout à l'heure. Alors je pense que je vais me faire tous les petits parce que là je suis en train de gaspiller toutes mes flèches. Je vais mourir. Alors là j'essaie de me barrer un petit peu parce que là je suis dans le merdier. Oh putain, oh putain, oh putain. Voilà. Oh putain, il y a un gros je crois. Il y en a un qui rigole pas. Regardez, il résiste en fait depuis tout à l'heure. Donc ça c'est fait. Puis on va se faire. Voilà. Oh là je cours partout, c'est un sacré bordel. Voilà, nickel. Il y a du monde, hein. C'est plus chaud que sur le fort des Udam. Alors attendez, on va appeler notre animal, voilà, un petit ours. Attention parce que là ça a l'air chaud. Oula. Lui il est vénère. Hein. Oula là 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 là. Eh, s'est fait dépouiller en fait. Oh, il est vraiment trop chaud. Les deux lascars là, comment ils sont trop chauds. Putain, j'arrive pas à l'avoir. Comme... Wow. Franchement, c'est vraiment très très compliqué. Hein. Avec en plus ce qu'ils m'envoient à chaque fois, les sortes de trucs là qui brûlent là. Regardez. Waouh, 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 waouh. Je me suis fait vraiment défoncer. En plus il y a le chef au-dessus là qui me met la pression depuis tout à l'heure. Mais j'aimerais bien me faire les deux petits. Putain, mais en fait ils ont tout cramé. Waouh. Un peu plus et je me faisais défoncer. Par contre j'en ai tué un et ça c'est pas mal. Allez, avec l'ours ça devrait me permettre de vite les achever. Allez, meurs. Mais c'est lui le boss en fait ou... Oula, oula. On va se barrer encore un petit peu, on va s'éloigner. Mais je crois que c'est lui le boss, je pensais que c'était au-dessus. Mais en fait, non. Allez, on va essayer de passer. Là, je me fais prendre encore. Enfin, je prends
assez cher, je sais pas pourquoi je pouvais pas le réa. Je crois qu'il est en train de... d'avancer trop vite. Hein. Alors... eux ils sont en train de m'embêter depuis tout à l'heure là, les Lascar. Je crois que j'en ai buté un. Et je crois que mon ours il a buté enfin... Non, il est toujours là. Allez, allez, allez. Il va l'achever. Voilà, il est mort. C'était donc bien lui le chef. Tiens, toi, je te donne, je te nourris un petit peu parce que t'as pris cher. Ou non, c'était pas lui. Hein. Pourtant, si. Il n'y a plus la barre. Oh, mon ours, il est vénère. Regardez comment il est. Je crois que lui, il va prendre super cher. Waouh! Voilà, il a dépouillé, on a pris le fort. Et ça, ça fait plaisir. Alors c'était vraiment très très compliqué, hein. Ok. Ouais, c'était vraiment très très tendu. Alors je pense que ils vont pas être très, enfin ils vont pas être d'accord ma tribu, et je pense que ça risque peut-être de se passer comme Da où ils voulaient le buter. On va voir. Mais ouais, le fort, c'était chaud. Hein. Ok, alors, est-ce que ça va me dire quelque chose? Donc oui, il y a une petite quête à lancer avec lui. Voilà, mais je vais pas lancer aujourd'hui, puisque là, du coup, ça me fait, je pense, une belle petite vidéo. Il doit y avoir peut-être 30 ou 40 minutes de vidéo. On va juste regarder qu'est-ce que ça donne. Tiens, je peux faire une petite confection. Ah oui, tout en bas. Donc justement, la bombe à feu, voilà. Donc ça, c'est nickel. Les bombes à feu se lancent et explosent à l'impact, enflammant les ennemis et les animaux. C'est pour ça qu'il me défonçait à chaque fois l'ours, et ça je ferai hors vidéo. Tiens, juste ici alors. Donc là il me reste vraiment à aller dans les terres Isila. Donc ça je vais le faire dans la prochaine vidéo. Oula, très difficile, donc je pense que je vais me faire dépouiller encore une fois. Et on fera également, on ira parler à... alors comment il s'appelle? Ah, je peux reparler au Ada. Et donc lui c'est Roshani des Isila. Eh bien, on va faire ça pour la prochaine vidéo. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit j'aime. Alors, j'étais un petit peu concentré, c'est vrai que j'ai pas parlé beaucoup. Au niveau du fort des Isila, c'était vraiment très très compliqué, donc c'est vrai que j'ai
parlais pas beaucoup, mais j'espère quand même que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne et que vous voulez voir la suite de cette aventure ou même sur d'autres jeux. Et on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde.